La cloche de la rentrée scolaire a sonné la fin des vacances d'été pour tous les écoliers et tous les collégiens quatenomois. L'occasion de faire les comptes avec les directrices des écoles et le principal du collège. Cette année, les effectifs sont de 154 élèves, donc 6 de moins par rapport à l'année dernière. Donc, bon, j'espère qu'on ne va pas en perdre trop, parce que sinon, voilà, ça risque d'être fermeture de classe dans les années à venir. Alors au CPCE1 nous avons 18 élèves et au cycle 3 nous avons 23 élèves, donc un total de 41 élèves, c'est un petit peu en hausse par rapport à l'année dernière. Alors les effectifs cette année se sont réduits comme peau de chagrin cette année, c'est un petit peu une petite baisse, pas beaucoup de naissances, donc du coup on est qu'à 18, on était il y a 2 ans 34, l'année dernière 26 pardon, et là on arrive timidement à 18. Cette année nous avons 54 enfants. Nous avons 17 petits qui sont donc répartis dans les deux classes, 6 chez mon collègue et 11 chez moi. Nous avons 21 moyens et 15 grands. À Victor Hugo, donc on a deux classes, une classe de 21 petits moyens et 22 petits grands. Le collège de Cattenom cette année accueille 347 élèves. Voilà, 347 élèves dans 14 divisions, 4 classes de 6e, 4 classes de 5e et 3 classes de 4e et de 3e. Mis à part quelques larmes chez les petits et quelques retards dans les travaux, notamment à Pompidou, la rentrée s'est bien déroulée à Cattenom. Une réussite à mettre à l'actif de la pré-rentrée du corps enseignant. Nous, enseignants, nous sommes rentrés vendredi. Donc nous avons mis en place avec les ATSEM les classes, les étiquettes, les cahiers pour que tout soit prêt pour que les élèves arrivent donc aujourd'hui. Nous sommes réunis aussi par rapport au projet d'école, par rapport pour effectuer nos plannings de réunion, pour vérifier le matériel, rebrancher les ordinateurs. Pré-rentrée, donc c'est un peu le rendez-vous, le brouillon de la rentrée on va dire. On va préparer tout ce qui est emploi du temps. Tout ce qui est progression, programmation, c'est-à-dire tous les objectifs qu'on doit atteindre dans les 3 années, parce que je suis en classe unique, et les mettre sur l'année, progressivement les inclure dans un programme. Comme toutes les écoles en France, Cattenom n'échappe pas à la réforme du rythme scolaire. Les horaires seront tous les jours de la semaine, donc lundi, toutes les matinées, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, 8h30, midi. L'après-midi sera 13h45, 15h30, sauf le vendredi où ça se terminera à 15h. Et donc le mercredi, tu en profites pour faire quoi? Alors le mercredi, j'en profite pour faire un projet développement durable. Donc au fil de l'année, je vais travailler uniquement sur développement durable, découvrir le monde, on va dire, dans les grandes lignes. Donc découvrir le monde des objets, le monde du vivant. Donc ça va être beaucoup de manipulation du temps que je vais accorder uniquement sur tout ce qui est la vie, le monde qui nous entoure, le tri sélectif. Donc le fameux donc mercredi, donc on va mettre à profit en reportant donc notamment les activités artistiques, donc tout ce qui est peinture et donc musique. Polémiques et questionnements devront désormais laisser place à cette réforme qui nécessitera forcément un retour d'expérience pour bien fonctionner. De toute façon, il faudra bien qu'on voit comment ça fonctionne pour mettre les choses en place, pour essayer de les articuler au mieux. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, on est obligé d'appliquer la loi. Les petits essaieront de récupérer un petit peu à la sieste pour ceux qui resteront là. Bon, pour les autres, ça va être un rythme à prendre. Maintenant, nous dépendons de notre inspection, du gouvernement. Donc les rythmes sont mis en place et nous devons les appliquer. I'm tripping with you now. Know that you'll take me beyond the edge of town. I got the world singing in my head.
collège n'est pas en reste puisqu'une autre réforme, moins médiatique et néanmoins intéressante, doit se mettre en place. Au collège de Cattenom, dans le cadre de la refondation de l'école, nous mettons en œuvre le conseil école-collège qui va amener des professeurs du premier degré et les professeurs du second degré à travailler ensemble. Jusqu'à présent, on nourrissait des projets dans le cadre d'une liaison CM2-6e. La liaison, dorénavant, elle concerne les enfants du cycle 3, c'est-à-dire du CM1 à la 6e. Dans le cadre du conseil école-collège, les professeurs auront l'occasion de travailler des thèmes de réflexion à propos des apprentissages, des progressions, de l'évaluation et des enseignements à mettre en commun. De nombreux chantiers attendent les ensembles scolaires cattenomois. Le soleil, grand absent de l'été, n'a pas manqué sa rentrée et devrait ainsi leur donner l'énergie nécessaire pour mener à bien tous ses projets.